Très bien. Allez, peut-être pour terminer la journée, on va avoir le troisième numéro. Merci pour la confiance, pour la fidélité, monsieur Zedam. Vous suivez cette émission de partout. Depuis Bandundu Ville, vous suivez également depuis Kikwit, Mbujimayi, Kananga, vous en la Lubumbashi, na Goma, na Ituri, na Pessimbote, na Bunia, na Boga, na Komanda. Vous êtes également à Paris, à Londres, en Allemagne, à Toronto, Montréal. Vous êtes à Dallas, précisément aux États-Unis d'Amérique. Bato Bazola, na Tucson, vous en à Jeffersonville, na Indianapolis. Je vous salue, Bato, à Afrique du Sud, Congo, Brazzaville. Merci encore une fois pour la confiance. Troisième partie avec des invités. Ce sont des amis. Nous avons perdu l'habitude, hein, la bonne habitude qu'on avait décidé la dernière fois de se revoir chaque semaine avec un programme hebdomadaire calé pour que tout le monde la revoie, qu'on passe en revue l'actualité politique. Mais aujourd'hui, nous avons quand même trouvé un petit moment pour essayer de réfléchir ensemble. Nous sommes en direct. Je vais prendre les informations du jour très rapidement. Il s'agit bien de Wemba Eric. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Sambo. Nani, journal La Yohane Zesouni. Comme on envoie exclusif. Exclusive. Ozo publié Mingi, j'ai vu En tout ça. cas, tout ça, si Bravo. Nicolas, aux ongines des mots actifs. Bah, tout ça est actif. Tout ça est actif. Tout ça, les gars, ils ont mis ça à la vie sur la monnaie. Tout ça, tout est bien. Côté, banzé, tout est bien garandé. Koloba, Narokoma. Très bien. Allez, Gauthier Sey, bonjour et bienvenue, mon frère. Bonjour, cher Sango. Merci pour l'invitation. Bote na Ndegolanga Eric, l'équipe technique Mamba Bosolo. On a bien constaté que c'était exclusif à des saisons Makassi. C'est campagne gauche droite journal. Très bien. Sinon, félicitations. Merci. Surtout Très bien. Quelques jours après sa démission, des chefs religieux membres de l'RSC proposent à Dodo Kamba de créer une nouvelle plateforme. Kinshasa, 525 présumés Kouloun a présenté aux médias par la police. Membre du gouvernement démissionnaire, Julien Paluku nomme des nouveaux animateurs à la tête de la DGCDI. Les populations de Rutshuru et Masisi, indignées par la reconduction des députés de 2018. Goma, au moins 30 députés de la prison, détenus pardon, de la prison centrale, bénéficient de la libération conditionnelle. Les bilans de l'attaque des ADF à Vemba Kinyamuse passe de 9 à 11 morts. Playoff, Linafoot, l'Asvekleb et les Aigles du Congo condamnés à payer chacun 7 500 $ américains d'amende. La dernière information est citée de Martin Fayoulou s'oppose à tout changement de la Constitution ou toute révision de ses articles verrouillés. Allez, merci. On va continuer avec des amis. Boza et Bélé, Bozo Landabisso, un numéro par lequel vous pouvez nous joindre. C'est ce numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Monsieur Gauthier, c'est monsieur Eric Wemba, cher camarade. Processus électoral. Eza Gokoba. Non, mais s'il était parce que non, tout ça, l'élection à gouverneur, non, tout ça, l'élection à sénat. Donc, tout ça va continuer un processus normal. Bien que l'élection va gouverner, pour ça qu'il y a un moment mouqué. Mais, ce qui est vrai, et que ça, la magaka l'amboulot, sauf imprévu. Pendant 5 ans, Tshisekedi, alors que Tshisekedi est président de la République, les 5 dernières années, nous avons plus assisté à ce que moi je qualifie d'instabilité, motion de censure, défiance, motion de défiance aussi. C'est-à-dire, la plupart des gouverneurs candidats va qui ko achever misala na bangote. Selon vous l'analyse nabino ni ne croyez que na base ya situation wana alors qu'au départ na 2018 ba élection et salam to ibay ke ba ko la 5 ans normal mais au cours ya mandat est belé déstabilisé et belé ba motion de censure ba attaquer bango ba arrestation même gouverneur ya vie nani ko ministre ya intérieur à un certain moment a pris des décisions pour na ko ça l'appel à ma gouverneur. Cette situation est l'équipe sur 5 ans au total. Dans la lecture, Nabino, qu'est-ce qui a fait que la législature, on a les bosso et Félix Tshisekedi, il n'a gouverneur, et les grands bandits, les lotés. Décentralisation, Nabiso, dans le moment où il y a un 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 moment où il
très vite, décentralisation. Tout ce qui est à l'origine, la décentralisation est mal partie. Surtout quand il y a un découpage territorial par Joseph Kabila. Il a été très précipité. Il y a 26 provinces, il y a 26 provinces. Il y a 26 Tozaran à Lutundu qui avait dénoncé que n'y a pas de découpage des Amabé. Bon, mingi n'est pas qu'on a balobaki bango basaki yango pona katou balobaki zaki yango ba normes ayi non rempli te zaki pona ko affaiblir Katumbi na Katanga ne de yo kaka wana Katumbi zaki na ba rivalité na batu ya Kabila. Mais en tout cas processus wana ya décentralisation et même quand tu na ba problème belé to keti ba yaka ko nommer ba commissaire spéciaux alors que na constitution za la raté nulle part na constitution congolaise balobaka ba ba commissaire spéciaux. C'est là où les problèmes ont commencé et puis ndeko tshisekedi de ko hériter situation wana. À hériter ou cohériter. Et tout le monde instabilité à la province. Mais à un moment, on doit s'arrêter tout à l'heure. Parce que l'objectif, il y a décentralisation. Et ça, là, qu'on peut permettre le développement à la province. Pour les aïe qui est mini situation, nous sommes ça là-bas. Il faut que c'est la petite pouvoir central qui fait ses jonctions. Moi, toi, ton maman, belle fois, je suis le pouvoir central. Il y a un sens ici, il y a un vers décentralisation. Objectif principal, développement. Ça veut dire qu'on rapprocher. Administrateur n'a administré, dirigeant n'a dirigé. Hein? Donc, gouverneur ou n'a dirigé. Mais, tout constater les lots quand même que décentralisation, wana, depuis Kabila, ti les lots, et comme il posé un problème, instabilité, stabilité dans la province des athées. Alors, décentralisation, il y a eu beba, na révision constitutionnelle. Oh, Kabila, ça l'a quoi en 2011. Oh, bah, sera président pouvoir rebeller. Bah, sera même pouvoir à ministre intérieur, et ça n'a pas été débit. Il y a un tour où on a mouké, full stop, stop, gouverneur Fayadongo na Congo. Alors, ministre intérieur, comme il roule à Moukounza, gouverneur. Or, que la débile, ça y est, on a dit. Alors, le lot, il y a une photo qui est débile dans la réforme, où ils ont senga pour nous remettre fin à la situation. Est-ce que Gauthier, tu partages l'avis? Bon, je pense que, de quoi Azongi na origine, c'est vrai, il y a eu découpage, na décentralisation, mais je dirais que les deux n'ont pas suivi. Découpage, oui, et Salemi, mais décentralisation, c'est lui et Salemate. C'est vrai, tout le monde, la province est Kabouani, et comme il y a eu balé, tous les découpages, a effectivement lié. Mais la décentralisation, et c'est vrai que la province, on essaie de prendre en charge et produire Yango Moko. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces provinces, elles ont dépendu de Kaka, l'exécutif national. Donc, c'est comme si les moyens n'ont pas suivi. L'idée est de suivre et le découpage a résolu un problème, le problème de l'insécurité. Ça, on doit se le dire. Il y a certains coins où le gouverneur a été commenté. Il y a eu beaucoup de gens qui existent dans la province. Parce qu'il y a des provinces qui sont bandoun. Et les gars qui sont tellement mounéne, au moins, le gouverneur a été quitté, Kenge, Kouilou, Azongi. Alors qu'il y a d'autres coins où la zone d'insécurité a été cassée. Au moins, il y a certaines personnes qui faisaient la loi, mais le gouverneur a recommandé parce que Nzele ont permis de commander, ça c'est de un. Mais de deux aussi, les infrastructures peuvent permettre de pouvoir loger tout, à installer le service sur l'État. C'est comme ça que vous constaterez avec moi que il y a la province Msusu, tel est l'eau, un bureau assemblée provinciale et à la raté. Si j'ai un raté, Ecclesia, un raté, école. Et ça, la province Msusu, il y a un gouvernement. Et il y a un problème, Msusu, bureau à la police, et Zarabé, Sika Moko. Si, église. Donc, c'est pour vous dire que les moyens n'ont pas suivi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la base? Il y a une motion, il y a des défiances, motion, il y a censure, il y a tout ce qu'il y a eu autour, il y a un gouverneur. C'est, il y a une pratique, il y a ma B, Oyo, régime à Tshisekedi, hérité d'un régime à Kabila. Le mot d'ordre. On impose aux députés provinciaux de candidatiquer. Quelqu'un qui n'est pas populaire, candidat malheureux, une élection Songolo Pakala, il n'a pas la confiance des députés provinciaux. Babite, tata mokonziambo kalobi tiké naye, besango. Et on implique les services de l'État, donc renseignement, police, tout ça, bayewana, baza otamno ba député. Et jusqu'au point où nous avions vécu ça en 2006, députés se sont votés. Parti au pouvoir et tché témoin Mokouana. Il faut l'accessibilité. Ou la qui s'est y'a vu photo. A tel qu'effectivement, vous votez candidat y'a pouvoir. Et maintenant, la conséquence est laquelle? Quelqu'un qui n'est pas rédévable n'a pas député. Quelqu'un qui est voté sur base d'une instruction, il sait que je ne suis pas aimé par ma député. Et puis, population peut l'ingater pour ne choisir pas ma ponami. Une personne comme ça, il ne va pas travailler pour la province.
Yemi Sonenyo est la parraine à Kinshasa ou imposaké. Voilà pourquoi vous constaterez que sous Kabila Ndekosango, il y avait certains gouverneurs, tango assemblée ningi si quoi isaye, ministre intérieur abengi à suspendre assemblée. Et sous Tshisekedi, vous avez vu, c'est lui qui a précédé Peter Kazadi, a suspendu l'assemblée à Kolwezi. Asselo. Yemoko Peter Kazadi, attaque au suspendre l'assemblée à Kinshasa, attaque au convoqué par gouverneur, ils ont hérité ça des Chadari, des Boshab, des Movasakani. Des jurisprudences. Des jurisprudences, oh yo, les lots, ils ont profité dans Mbokate. Donc, qui apprend mal, qu'on soit mal. Pour Batanga Kimabe, ils sont en train de tout copier de la Kabylie. Yamondo Mouni, ils sont en train aussi de reproduire les mêmes erreurs. Et bah okoué a peine à bisika ben moko moko oyo kabila ne okoué ya na ba yaye. Donc la solution na question oyo ndeko sango ça part par les votes libres des députés provinciaux. Laissez les gens compétir. Faut changer de suffrage. Il ne faut pas changer de suffrage. La constitution n'a pas failli. Laissons les députés, laissons les gens qui nourrissent des ambitions comme un gouverneur, ben un projet de société, ben présenter na ba député, et puis ben député pe, ben voter moto ou ba monete, azan qu'on rencontre réellement ba réalité ya quoi, sans qu'on monnaie ba voix na bango. Moi, les a conscientisation, mobilisation, sensibilisation, je suis d'accord. Mais la réalité autre, il faudra peut-être développer des mécanismes contraignants, ou écoïque ça là que, député, à salé la kakamoto, à salé la mbongote. Comment bloquer la corruption aujourd'hui? Comment bloquer? Parce que député Oyatche Misolonaye, ma partie généralement, parce que ça va député Mbongote pour abattre campagne. Député investi Mbongona, bimi député provincial. À son tour, aye, bike Mbongonanga n'a qu'on récupéré en haut, tant on a voté qu'à voir la gouverneur, on a voté qu'à voir peu pour la sénateur. Alors, ce qu'il faut, t'as la malikambouya Mbongote, tout à la projet, parce que Mboka, il faut changer. Mécanisme et cause à la nini, oye, koko sala qui est député, à salé la Mboka, mais à zone sa Mbongona été. Très bien. La solution de cette question part d'abord, un, par la responsabilité, n'est-ce pas, ou la, sans il y a respect, il y a mibeko, il y a mboka par l'exécutif national, donc le gouvernement central. Rétrocession, et ça les maka régulièrement. Ça, c'est de un. Pour que ma province, et soit mon solo, il y a un futa, ma député, peut qu'au futa, ma tout, ma salle, na kate ma province. Parce que, ensemble provincial à Kinshasa, ils ont un traitement moko, donc, il y a Ndenge Moussous ou papa, ma province Moussous. Et il bénéficie. Il y a moi, côté Moko, il y a gouvernement central, na, ba recette, il y a province. Mais, na, ba province, mais, Tikaline de Gosango, ils ne sont payés que, na, recette, il y a province. Oh, recette, la province, tango, et ça, les marins de Gosango. Nous, c'est Yarabé Kinshasa. Tango, et na Kinshasa, ba, ça, les répartitions, des seigneurs, ça, rétrocession, si, quoi, il y a 40%. Maintenant, il faut interroger le gouvernement central. Ba, rétrocéder, ba, province, combien de fois pendant 5 ans? La première question. Le gouverneur n'a pas les moyens de payer les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont impayés. Mais Michel Namoutou était, dès que nous sommes élus là, toi, tu es un bon foutamate, tu es un élection à gouverneur, tu es un sénateur. Nous devons exiger l'argent. Parce qu'ils savent que, au Bazalaki, il y a un paiement, certains 21 mois, d'autres 18 mois, ailleurs même 36 mois. Et à Kinshasa, on parle de 4 mois d'un paiement. Et d'ailleurs, ils ont moins d'âme. Donc, vous voyez déjà quelqu'un qui vient travailler dans le contexte, dans la condition de l'ingéwana. N'est-ce pas? Il est tenté, il a retombé dans le piège, la corruption. Donc, la première solution, c'est d'abord la rétrocession, et à la régulière, chaque mois, la province est à la rétrocéder, pour permettre à la gouverneur, il y a ça, là, mon père, au futa, d'administrer la bango. Et une fois qu'ils sont rétrocédés, ça part aussi dans l'éthique. Aussi à ma parti politique. N'abé chien ce zouya. Qui, ma parti politique, va se reproposer, puisqu'on est candidat député provincial. En amoralité, nin. En éthique, nin. Y'a que ça la politique. Y'a que vu un cas de la société. De deux, ils ont kené, troisièmement plutôt, parce qu'on est deuxième. Troisièmement, si quoi, ils ont kené, na o italisko ba service n'est-ce pas o esa habilité à combattre sa corruption ndeko sango même aux États-Unis d'Amérique même na ba vieille démocratie corruption c'est la terre mais ba gendarme ba zawana o baza ko landa ko fongola be miso tongo midi pourquoi ko landela pour la ko éradiquer fléau wana même aux États-Unis la corruption elle est là mais n'échelle moko ya muke mais awa est comme normal à ciel ouvert maintenant les magistrats font quoi? Les procureurs pris la procureur général pris la République. Procureur Moussa Bango Pénine. Bango Pestengue, Bassam, Salbango Malam.
tant que négociation le lingua n'est pas comme salima bah c'est saisi dans le dossier bah convoqué bah tout on a bah ouvrir l'action disciplinaire judiciaire bah yo kabé bango bah parti politique bah ouvrir l'action disciplinaire bah yo kabé membre parti na bango et c'est de cette façon de conscientiser la société pour étambola malam Eric Wemba Félix Tshisekedi en 2018 a tombé kaki na likambo ya corruption. Je pense que tant que c'est dans l'équipe, na simanango ce que tu as mis comme ramené au tambola tricherie ou esalamaki na élection ou te kolekezaki passe. Et ça là qui à un certain moment va sursoir non ma kambo élection à Sénat. Ti na simaba ko fongola yango bien que va fongola ki yango me corruption esalaki. Alors le mal ou la corruption to bomi yango na nte. Musisa nango izanan. Comment il faut arrêter l'hémorragie, comment il faut démanteler les réseaux. Des mécanismes yango là qu'il faut mettre sur pied. Qu'est-ce que tu en penses? Mais en tout cas, Bandekwashi 13, ba Patrick Mouyaya, ba Lukondo, ba Delice Sanga, ba proposera ba réforme. Bon, malheureusement, ba réforme, wana, pour nangai, et zala ki, ba tout ba bande, peut-être, ba tout ba bande, qu'on réfléchir comment qu'on mettre fin à la corruption. Alors, tout le monde dit que le monde y a surface universelle indirecte, et comment qu'il y a problème. Ça fait déjà en 2006, Parlement, et zala ki a MLC na Kinshasa. Bemba, trop sûr de gagner. Corruption, Zalaka, Neto Yoga, Kelekara, Suki Wapi, Babimara, Suki Baton Hotel, Nini, Tokotan, Abakomboté. Mais c'était contre toute attente. Kimbuta Legi. Oh, majorité, y a série Wana na Kinshasa avait massivement voté Bemba. Et Kinshasa aussi avait voté massivement, bah, député MLC. Mais, suite à corruption, candidat a pu perdre Alekaki. On a parlé de la corruption. Alors, bah, tout déjà, l'époque Wana, bah, l'obaye, surface universelle indirecte, Koyo. En tout cas, et comme il passe. Pourquoi comme il cope? Pour tous ceux qui ont dit, agence Moya lutte contre la corruption, la présidence, c'est l'objet de ce qui est mon cabo dénoncé. Mais ça passe, c'est ça. Ceux qui ont mis Batounanda, qui ont mis Kanyinda, qui ont mis pour voter, qui ont mis minuit, qui ont mis tout le monde. C'est pourquoi le pouvoir public a tout intérêt à retirer la réforme. Dans l'objet de la parfaite réforme, mais une des réformes à son temps proposée, ils allaient que, ce qui est candidat député, provincial, dans le moment où il y a dépôt de candidature, il y a lobby déjà qui est candidat député Wemba, si vous votez sénateur, vous directement, votre population n'est pas dans le directement pas gouverneur, pas sénateur. De façon que le peuple a dit, oh, sans que vous votez, na voté ou te pour yote moutou tel bisou dosa sir na moutou anate. Et que ça la déjà direct. Na moment wana. Na moment ane que ça la passe si. Sir souki 100 000. Ça dit ba candidat gouverneur bas a la déjà connu avant. Avant. Ba candidat sénateur aussi. Avant. Député provincial à la phase à l'élite a déposé la candidature. A déclaré déjà que ngaï candidat nan a tel. A battre campagne na tike na ye. Na tike na ye. A se da na tike na ye déjà que candidat nan a tel. Pepe tang a zo voté candidat wana. Et bien n'en a voté gâte sey. Candidat na ye sénateur et sa sango. Donc, si vous votez Gauthier, c'est sango ou comme sénateur. Donc, si vous voulez que sango pour na yo, ça ne va pas. Que choix y a Gauthier, c'est, ils ont répondu à l'aspiration na yote. Ou vous votez pe Gauthier, c'est yote. Ou lié que biso to voté ba député. Biso to pesi bango ba voix na biso. Ou lié ba voté ou y a aspiration na biso. To linga ki par exemple que majorité n'est pas quoi na Kinshasa. Et ça la MLC. Mais ba pesi on a pe perdre Kimbuta. C'était une des réformes proposées. Dans l'obité que ça parfaite. Mais ça a façon déjà à réfléchir comment mettre fin à la corruption. Parce que ça passe à table, c'est qui m'a flic partout. Hein? Bah, MP ça, on a évité, mettons dans le coron prisé belé, on a MP ça, pour justifier les gens qui ont corruption. Bah, banque, bon, ils ont belé, ils ont changé le combat, ils ont dit, on a compté, ça passe. Mais l'État est un mécanisme pour nous empêcher la corruption. Une manière pour empêcher la corruption, ils ont parrainage déjà, et ça, la manamo. Parce que les lois aujourd'hui, vous en avez parti le rôle à IDPS. Au moins, déjà, dans le temps, on a. Mouto toko tia fasa la ka mouta parti. Pour to linga ki système ba liste na seyao. Pour ni na kata députation bozobo yake. Ba bozobo yake. Ligambo se bimakia. Ke nga na suite 10 000 voix. Mais parti loko yako ki si se ite nga na suite. Mais na kata ba député bozo tika mouto moko bo yasa indépendant. A kendo postile. Ça veut dire kasa ki na liste a parti. Te souki deja ki na liste a parti anamo c'est vrai. Ni toujours mon alelo. Toujours déjà ma candidat Moussou Bazo s'est prononcé. Atika la Rosala jamais membre y a parti ouana. Ils ont un problème. Comment y'a un peu de pouvoir échouer? Azana idéologie a parti ouana te.
Nini te ekomika li kamba kop. Eleksyo ekomaka kop te. Sali to tse liste. Ah, neto moni sangu ninga. Erezba kouti yobo yaranou makambwana. Lwa sangwa lubara to moni asa popile. To pese mbongwa kouma kandida na biso. Po na sima sangwa roubenda batu. A roubenda batu. Eske sangwa ou zala redevable na bidan. Lwa ki non. Bino nibo yaki shengai. Mais ceux qui m'ont tué, moi, militaire qui a eu un parti, à vous allez rédévable. Tout le monde a été mercenariat, moi, comme mingi. Mercenariat. Comment se fait-il, bah, tout le monde, bah, candidat, à échouer qui? N'est-ce pas, mon ami, comment, à vous, ça m'a qu'il y a chaud besoin. Tous aux bandas, tous aux bandas. Moi, j'ai rien contre lui. Tous aux bandas, n'a pas pensé. C'est un bandit. T'es là, n'a qu'à s'en aller. 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 T'es là, n'a Il faut qu'on retouche la réforme, selon la proposition de l'OPC, pour permettre tout ce qui est en Cambouana. Les Cambouanais ne peuvent pas être en Cambouya, mode à scrutin. Quand on a dit qu'il y a un sénateur, qu'il y a un gouverneur, tant où il est, en 2018, l'expérience de Zouaki, il y a un téléphone, il y a un bic, il y a une caméra. Parce que le moto a été obligé. Azo exige na moto tango ma faut prouver nga ko vota nga. Poto ko mala kambote ko yo lobi o vota nga 10 personnes ba vota nga mais na suka na ka na voix moko. Ba contraindre député aza la peine na caméra. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour na ko empêcher ba bazo ba preuve wana parce que c'est aussi moko ya ba moyen ko décourager toujours la corruption de la bannière. Tu as une idée? Exactement, déjà la CENI n'autorise pas cela. La CENI autorise na candidat nyo so tcha témoin na ye. Témoin à l'andela, vote n'engue processus n'engue zo le kanakati à salle, va se rassurer qu'il va urne za vide, et le kézana katite, motomota tchaye déjà mal au kasa avant wana. Il n'est pas autorisé. Le vote d'abord est un caractère moko secret. Donc le fait déjà, moutoya na caméra a filmé vote, a filmé ni, et ça pour influencer déjà, soit il peut aussi influencer, ben n'engue sous batigé na semaine va voter. Ce qui a sa leader à partir, par exemple, soit à côté de la talanga na poni moutoutel. Donc je pense que la première idée, la CENI, oh, il n'y a pas de nous qui déjà. Mais oh, il y a moi Zoka dans le réseau, Zoka chez certains candidats. Bah, mon temps, ça s'est proposé. La CENI a dénoncé ça par un communiqué officiel. Et c'est que la CENI passe à la vigilance. Dans le bureau, il y a un traitement. Il y a la vigilance. Il y a l'équipe, il y a sur terrain. De façon que, quand le député mon côté a se présenté dans l'urne, dans l'appareil photo, ton habit. Ça va mettre en difficulté les corrupteurs. À ce moment-là, les corrupteurs, on en a doute. Les corrompus, Yepe, tant que PCT va bien, non. Ceux qui ont voté dans mon indé, y'a mon père, ça sonne à doute, y'a voté parce qu'il ne sait pas si le PCP est comme une escope à Diamba. Donc je pense que, à ce stade-là, la CENI peut régler la question. En 2018, en 2011, ça s'est fait avec les forcing du parti au pouvoir, le PPRD, qui avait imposé, naba candidat, naba député, bah, kota na téléphone, bah, kota naba bic, pour prouver que réellement, bah vota qui bato bango bah proposa qui bango et parce que c'était cautionné par le parti présidentiel Seigneur Zena Makoki a posé la tête mais on espère qu'avec la CENI de Kadima oh ouais invalider avec 82 candidats peut-être que Archa va disposition moko ya makasi de façon que bah député bas à exposer bah quand on a bah big téléphone bah téléphoner de façon que bah corrupteur peut bas en a doute on peut seulement alors parlons maintenant de la ville de Kinshasa comme tu voulais qu'on parle de la ville de Kinshasa. Ville à Kinshasa, ils ont vu connaître ma problème et belé, le coup là-bas, province, ils ont surtout moni vraiment pas si. Il y a les mots qui rongent, dans l'ingé d'abord, tu as un diagnostic et puis tu as un profil. Tu as un diagnostic, quels sont les mots qui rongent la ville de Kinshasa? Il y a le coup là-bas, on dit ça, au début, tu as un défi, il y a ma casse, il y a un zéla, mon toit, il y a la future gouverneur. Gentiling, il y a un kende. J'ai quoi démissionné déjà. Gentiling a connu deux vice-gouverneurs. Abanda, il y a un Nerombongo. Nerombongo a démissionné qui? Nani Azalaki, Nani destitué. Et puis après, il y a eu Koko, pour la raison, il y a eu l'élection, le roi Azadja élu a préféré à démissionner. Ngobila, tika li place ou Ngobila, oyo, a eu difficulté parce que Azad parmi bateau, c'est Nyatanga qui le roi la bateau, même ça qui désolé dans ma cambotali, ma ponomi. Ville à Kinshasa, le capital miroir Kinshasa la belle. Quels sont les défis aux Ozela, futur gouverneur? Et puis, au-delà de ça, quels sont les mots qui rongent la ville? Mais, Toba, c'est un élément important. Il y a profil. Vous avez le profil Nini. Na Kinshasa. Il y a maintenant la guerre, il y a un candidat. Sûr. Quelques personnes, c'est vrai que Batobele va se prononcer dans notre Mamsou, va déposer qui Mamsou va se déposer lobby samedi. Clôture, puis ils ont prévu pour le 11. Hein? Les 11. Je pense que vous allez 11. Ouais. Alors, Namona Bialosuka, à l'Oba qui a un bon solo dans la politique, il y a un candidat. Jonathan Bialosuka. Namona Vibie Chimanga.
Batounios Paiba il déjà qui suspend sa cause à la candidat à gouverneur pour la ville à Kinshasa. Namoni Deo Kasongo, au pe combo na etamboli le la candidat à gouverneur. Namoni pe prof Kabisa, on a yamba qui récemment a le la pe candidat. Na Lisanga Bonga. Lisanga Bonganga aussi, Lisanga, namona ki pe. Namoni pe Kibuka, Kibuka linga kaza gouverneur mais natikali koyo kali sur ambition en côté, apparemment a retiré candidature nae. Mais les sangas bon pour clôturer. Bah, mais bazali peut mais naturel que yoka bango na nuter. Alors là bas, oh c'est prononcé déjà Toyoki, moi ma candidat bango, par rapport il y a bah défi, par rapport au mot qui ronge la ville de Kinshasa. Quel est le point de vue de chacun de vous? On va terminer par là. On commence avec vous. Bon, nakati a profité que non à bas base les réel. Ça veut dire que sur une mot à la candidat parti ou on a si aux armes bas parti ou à nos militaires à parti ou à nos idéologies parti ou. Toboui mercenariat, y a ressemble bas tout notre zoye pour ça na combo à zara entreprise. Tout est candidat. Et le moment système électoral n'a pas eu. Alors, na moni bado ba se prononcer. Alors, et bandi nan nous désordre et bandi na katanga. Ou yo qui désordre bimi na katanga. Ba milita ba bimi. Qui a boule azara pena, moutou a pe perdre. Moutou yébi ki union sacrée salama qui a transformé. Mais bato ba zali pe wana na ba katanga wana ba bunda banda wana. Banda papa chisege di ba bunda na ide pesu wana. Ba tiye bangote ba yoti a ki a boule. Ou moni désordre et bimi sona. Souye ki a boule na kazembe. Et bien, il y a des désordres, ma casse. Alors, il faut se répercuter, pena Kinshasa. Na mona yo des oyambi bataba force du programme, et les autres, nungo, nungo. Alors, tozo yoka, de yoka songo, fwa bima, candidat à IDPS. Question. Mon colonie n'y est à militaire na IDPS. À militaire na IDPS, c'est parce que fraîchement, awa. Fraîchement, awa, tu as une élection, ba gouverneur. De yoka songo, azwa kaka voix moko. Voix moko. Mazaye candidat indépendant. IDPS pesa ina ba candidat nango. Par quelle magie les lois comme mamutu ya IDPS parce que na tawana linga kozala candidat IDPS te. Azaki indépendant. Alors biso to rosenga na mutu ane ngona dès le départ kende indépendant. Si tu n'as pas milité dans ces partis, tu peux pas être candidat de ces partis là. Eza berer grave au parti au pouvoir réseau sal actuellement. Faut éviter berer wana parce que ça va vous rattraper. L'obitant au gestionnaire ezala bien te bolo baté kazaki muta parti te. Hein, à ça, il m'a parti, tout ce qui est gros, 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 tout parce que, à ça, homme d'affaires, ceux qui n'y, ceux qui pas réussi ça, n'a pas fait, mais bon, ok, tout n'a pas fait, on ne peut pas réussi ça, bateau, bah, ça, racuna, bah, ça, peine à bâmer les lots, même si on va foutre à bangoté, tout mener peut investigation réalité, sur des candidats, nous, la presse, on ne fait pas notre travail. Donc, moutoumou, ici, binou, kaka, non, azarasuki, na showbiz, est-ce que c'est possible, au kendab, na showbiz, ou ana, bon, tout, na, combien, comment ces gens sont traités? Bah, tout, ana, bazo, banga, roloba, pas, bah, roloba, mais ça, là. Mais, na, pembe, ni, déjà, bazo, roloba, qui, traitement, na, bango, ils habillent. Alors, si quelqu'un, a dans l'entreprise, de l'oua, showbiz, à foutre, à battre, bien, qu'est-ce que vous attendez, à, au, ça, soit, comme, gouverner? Ça, c'est déjà, ça, départ, y a, l'élection, ils a, ma, bé. Je crois que les partis au pouvoir doivent nous aider. Nakata IDPS biso to yebi ba Jacques mais ba tout ba bunda ba zawana il faut pas qu'on présente mais sur les choix est parti sur les choix et ça sous choix parti te comme choix ya ba cop et comme ya ba cop muto yebi que non sur le micolo na za na combo IDPS na roleka ba tout ba mo foutre na ba mbongo to yebi ninge le kara na ba parti na biso et comme ba cop alors tout éviter ba cop wana qu'on mette des gens bon luka ba tout ba za intègre na mon rabo akinarani na mbujibai ba chilumbu bazali ba ba Jacques mais bazali. C'est ça, IDPS ou biso to yebi. Mais IDPS pas une élection, chance à cause de Zali. Tout le monde peut pas cause de Zali. Il y a un ticket à IDPS, c'est garanti. IDPS n'a que 14 députés. Et comme il peut moi garantir. Et comme il peut moi garantir. Pour Liboso, d'ailleurs, même à Liboso, il y a un cachet à IDPS. En 2018. Il est indépendant. Les lois, quand même, IDPS, c'est ça, dans mon PV, il y a un moyen. Pourquoi qu'on m'a gouverné à réaliser revenu. Tout ou empêcher ambition a été. Ma roue peut empêcher tout le bâté, tout le bagasin a profité. Quel est le profil de Déo va présenter à biso? Tout est bien voté. Donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour mériter qu'on dirige ville Mounien Leroy à Kinshasa? Vous pensez qu'il ne mérite pas la ville? Moi, en quoi est-ce qu'il mérite de diriger la ville? Tout ça qu'on a répété dans ma poste. Est-ce que, Sango, vous vous imaginez que la plupart des gens qui deviennent chefs d'État n'étaient pas unis, vous en avez gouverné? Peut-être que tout le monde a eu le mot à Moukier. Gouverner, c'est le mot à Moukier. Et sous d'autres, si écoute, pourquoi m'a gouverné? Faut y avoir d'administration. Na CPI mso bandagi na territorial parce qu'il faut maîtriser la territoriale au moins appena mutabandagi na moi poste moko na territorial administrateur du territoire papa matinda comme gouverneur landa via l'NJP a roi besoin bandagi na ba commune tia comme gouverneur anamo il a déjà maîtrisé l'administration publique
tant que ma gouverneur ouais banning administration sur base de quel défi aux hommes là qui déwaza exact il n'est pas le seul candidat hein, Baza et Belé Baza et Belé mais toi tu as la carte de haut comme tu as parlé de haut n'a pas cet exemple engana aux hommes on a été pourquoi aux la gouverneur bah preuve na engana ebi angote il a été dans quel elle a été formé dans quelle administration il a quel moment travaillé dans pour n'a pas un des critères yangwana sous d'autres ici les grands ngwana donc gros ça côté c'est à comment gouverneur de bah routi à Bécheloni na gravir pour y prétendre l'anda même ba mère wana ba outa kamina na se ba outa na se na ba commune ba mati bon muta travaille en administration te on dit qu'il est dans le monde des affaires que nous ne maîtrisons même pas bien mbala mo gouverner alors tant ba problème ke bimalo bi bubandole non en tout cas au badeyo bazo sala na ba tumusu na zo yo kawane komi mais vidie chimanga et komi makete ya l'un des conseillers de l'état. Bon, Vidi Chibanga, je n'ai pas de problème avec lui, mais Toyoka quand même que, au moins, il y a même dans ma poto. À ta route, le temps, il y a des soupçons. Quelqu'un ne peut même pas prétendre postuler. Ce n'est qu'au Congo, mon tout, ma pèse, qui est bon à ton maison, à Kanchachi, va d'accord, ton amité. Mais les lois, on révase à la présence à Benazonal. N'a pas qu'un exemple. Sous d'autres ici, tant que tangi que ça, moi, tu regardes moi, soupçon, mon robot. Tu ne peux même pas. Mon tout, mon en France, bah, tiens, à Kazara, compte, na banque, na Suisse, Kaisak, à Koko postuler. Vidi Chibanga, asa yina ba demele judiciaire, ou tout moun yina nous a clarté. Pensez ça dans ma guimè, tous les moutons, asa na doute. Ou a moun a une conversation avec Vidi Chibanga, wana. Rien que moralement, ils ont battu moussous, ou pas même pas osé que le bagena postile. Batou, ils ont belé, ou non, même pas a osé à postiler. Mais biso tous autres, ils champ libre na batou, anan yos. Je pense qu'aujourd'hui, responsabilité moun yina na IDPS, yako, loko la, poto ya te po, IDPS asa yana Kabila. Ah, bazo tsabino bakal. Aujourd'hui, ils ont une majorité écrasante. Bazana ba assemblée provinciale, il y aura plus d'excuses. Sou bazo ko présenter ba toi bien. Il y a aussi Diabanza, j'avais oublié. Non, il y a aussi Diabanza dans l'IDPS. Il y a Diabanza. Exactement. Bon. Ba, net ba biloko ba deyo bazo sala. Tu n'as jamais été combattant, mais tout le monde va combattant mo ba bimi. Tozo sou ba manipulation wana. Et ça déjà bien té. Tant bozo benga corruption, c'est ça, c'est de la manipulation. Bozo mo ba combattant mo boy, nous de la Fédération de l'IDPS. Toujours soutenir candidat à Deyo. Nous avons autant un message où on a vu mon avis de Deyo. Aïe, biété. Comment tu peux soutenir quelqu'un que tu ne connais pas? Tout ça, il y a un indice, il y a une manipulation. Est-ce que le problème, vraiment, il faut tout comme on a un niveau où il y a un mouton à postuler ou bientôt s'attendre à savoir? Oh, mais il faut tout sango. Les gens doivent connaître les candidats. Bah, il faut que les candidats. Il y a un peu de temps à la presse. Hein? Tous les exemples, vous voyez que Moutoumou a gagné l'élection en France, François Fillon, il était favori candidat, mais la presse a fait son travail. Balobi que papa va voter Moutoumou. Histoire d'emploi fictif. Azade, tant Azagi député, moi si Nena Bane Bando a retouché Mbongo à l'État gratuitement. C'est aussi le travail de la presse. Qu'est-ce que nous aussi la presse pour aider la population? Yaroye ba vraiment de Yoka Songo on a bien. Yaroye ba pena Vidi Chibanga bien. Yaroye ba pena ba candidat on a bien. Malisanga Bonganga. Balisanga vient dans Malisanga Bonganga. Malisanga qui était il a déjà géré, il a été déjà dans. Ah, c'est qui ministre est chargé des relations avec le parlement. Ouais. Bon, on a PCV. On a sport à un moment donné. Bon, on a PCV ça yo pembote bon, il vient dans même sous candidature ni zanonga ya marchandage. Via Zotiaga mutune balobaga bon, va embrouiller moi situation. Mais tu dis qu'à pas mentir. Très bien. Les avis à bas congolais. Photo yeba. Allez. Pour n'engai, en tout cas, n'a liste de zotang et l'engai. On a dit au Castongo. La future gouverneur. Vidi et Chimbanga Bazo convaincre. Ou Zélanini. La future n'aï n'a zova n'a migolo gota barumbu. Les cas n'anzela n'anga. Les cas. Songo, on est kincha se zokoufa. Les cas n'zela on a moutouka fouet beba. Bat de komi kavanda rana barumbu. Andimine carbiré beba pour n'obattre la moutou kazunze la ville à boulevard tia kota mokene pe na boulevard ba place moutou yekomo beba et ça c'est vraiment le miroir de la capitale et centre-ville tel a été commis tout ça n'a besoin à gouverner wazana ba initiative d'abord y'a quoi assainir ville à Kinshasa commis très sale y'a quoi banzele zate na yuka kinde kozulu a tout d'ailleurs yongozu itata mokonzi oh marambo et bandi l'élote non monsieur le président que marambo et bandi l'élote si on veut avoir le pouvoir c'est pour changer la vie des Congolais surtout que l'État a pu a mobilisé 10 milliards de oui bon on est qui est narawapi tokenda bisoto mikili a poto au moins qu'il y a des gens qui sont là chaque jour bah parce que qu'on s'allonge les zara encore que faut attraiter ça là bah faut nier ou on a toujours mon angot attraiter ou dire faut ça là ou tout ça là mon salaire mon aura 5 mois baby mais quand vous construisez bateau bateau circuler il y a pas d'entretien il y a entretien au moins on a poto pour les grands là on a faut foutre taxe mais au moins tu peux éviter que foutre taxe mais mon temps à foutre taxe ou on a ça conscient que taxe on a foutu et ça pour bon c'est les grands là et il le faut instantanément au lieu d'avoir un monnaie mon tout mon abîmé l'ingano bas stationnera ouate faut foutre
combien 3000 mbongo ngo kenda kwa bito yebite tous ces ba réforme au fobacha là en tout cas nga bato bozo tanga wana commence par deoka songo vidie timanga lisanga bonganga lisanga bonganga ya banza mou, ya banza na yebi ete mais bato na yebi ata moko convaincre ngati ya lo suka Jonathan eh ba convaincre ngati bon luka pena ko ba congolais oyo pena ba monique bazar ba koko ya te vraiment il y a des congolais intègres on doit pas donner l'image qu'il y a pas des congolais intègres qui peuvent faire avancer les choses ba banga raté ezala ka raté bato moko bo bazana influence moi mukie. Allez, Gauthier Sey, on va peut-être terminer, on va avoir aussi une idée. Ville à Kinshasa, il y a l'insécurité, nuisance sonore, circulation routière, état à Banzela, insalubrité dans la ville à Kinshasa. Bah, défiez-en ma case. Il faut une personne, ou Esengeli, ou un ticket, ou pour relever défi par rapport à la situation au Tozanamo. Qu'est-ce que tu penses, dans le locataire, il y a six cas Mikolé qui est gouverneur, ticket na bango. Batubele va se prononcer. C'est vrai que Batubele va déposer na noté, mais on a vu Bialosuka Jonathan, Vidie Chimanga, Deo Kasongo, Prof Kabisa, Raphaël Kibuka, ou Azali Suzuté na Katia Koursouana, parce que peut-être à cause de la raison, on a eu personnel, ou a permettre Katia Lissouzuté, alors que Bakongole Bele va se la guipe Kibuka, surtout Bakinois. Lisanga Bonganga, Diabanza et autres, hein, Bamsou Baza peut-être Natangi Bakombo na Bangote. Profil idéal. Qu'est-ce que tu attends au Yoki Bakumbu ya Bato Basse prononcé? Quel est ton point de vue? Déjà, ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je pense à Jekou Béa. Namona qui a l'égard de Pano Awa, à l'oubi, Bazakou Mouné, Bapos au sein à UDPS. Et il a oublié aussi de dire, Nana Rolobelete, UDPS, c'est Zakou Koufa. Et stylo Yako présenté Bato Bazaba non. Ça affaiblit les partis. Je pense qu'Eric est maladie. Mais d'autres mots. Au moins, on a mis ce parti, le fédéral, on est en train de mietter les partis. Et ça, les partis risquent de disparaître. Et je crains que, une fois que l'UDPS est à son abocosité, le parti ne va plus exister. Ça va ressembler au PPRD. Parce que, mission au bas transhumant, nous sommes dans l'IDPS, c'est vraiment d'émietter les partis. Et la plupart des transhumants, au bas classique à l'IDPS, ils ont des partis mallettes. Ils sont autorité morale des partis. Ils travaillent pour l'épanouissement de la partie Nabango. Ils travaillent pour étendre la partie Nabango sur toute l'étendue de la République. Et non pour l'intérêt de l'IDPS. Sous Kabila, sous Mobutu, la plupart des provinces, c'est vrai, il y a des coins où ces partis-là, les PPRD et les MPR ne contrôlaient pas parce qu'il y avait l'opposition et où il y avait ceci, cela. Mais entre nous, où ils avaient quand même les contrôles, la majorité à l'Assemblée provinciale, et il y avait député dans l'Assemblée provinciale, ils proposaient les leurs. C'est aussi une façon de pérenniser, n'est-ce pas, les partis. C'est aussi une façon d'enraciner les partis. Mais quand vous avez un parti présidentiel de Kosango, même là où ils ont 14 députés, même là où ils ont 20 députés, ils proposent un transhumant qui a un parti mallette. Est-ce que Bato a même parti, n'a pas des partis? Certains n'ont même pas des partis. Bah, au moins, on a peut-être visé un parti. Ils veulent vraiment que l'IDPS et Van Nana au pouvoir n'est-il parti à Mandela avec cette façon de faire. Mais ça, c'est la réponse aux questions ou aux inquiétudes de Jekou Béa. Aujourd'hui, l'opinion donne raison à Jekou Béa. Tant que Jekou Béa Rouloba, moi, je pensais que Abandé peut exagérer moins d'âme. Mais aujourd'hui, naba liste bimina IDPS, Batiko va présenter. Tu as vu ce qui s'est passé pour Kiaboul à Lubumbashi. Je me dis. À Lubumbashi, Kiaboul est retenu. Hein? Mais oui. Au moins, il y a un combattant IDPS, il y a Télémi. Fais-nous voir un peu. Et puis peut-être, tu as la même qui a boule. Il y a un dossier belé. Mais ça, c'est tuer les partis. C'est tuer les partis. Naokatanga. C'est vraiment tuer les partis. Ça, c'est la situation en termes qui a boule. Tiens, là, le volume. Dépôt de candidature du gouvernorat de province. Il y a une tension ici. On ne sait pas d'où est venu les jeux de pierre, quel camp a commencé. On ne comprend absolument rien. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Jacques Kiaboul a déposé sa candidature, ainsi que son colistier. Toutes les personnes. Voilà.
Là, les militants de ARDV viennent de menacer les militants de l'IDPS. Voilà, ils sont là, RDV, ils sont là. RDV sont là. Ils sont en train de menacer les militants de l'IDPS. Voilà la décision qui vient de sortir à Kinshasa. C'est une décision vraiment qui va nous provoquer des problèmes. Vous-même, vous êtes en train de voir les militants de ARDF, les militants du parti de Jacques Kabila. Vous voyez, là, c'est à Lubumbashi. Vous voyez, c'est à Lubumbashi. Et là, ce sont les militants du parti présidentiel. Et personne n'ignore ici que l'IDP, c'est un parti de masse. Ndeko Sango, Nabili le Omoni, où est-ce que ma partie était? Et ça, vous l'aimez, ça va faire combattre. Oh, bah, Bundi, pendant que Kaboul était au PPRD, il était aux affaires avec Kabila, bazar au Gazé Bango, bazar au Kanga Bango. Certains ont perdu leurs enfants, d'autres ont perdu des emplois, et aujourd'hui, vous venez les imposer. Bato, bah, Nyokolaï Bango lobby. Est-ce que Bakambi a parti présidentiel, bazar au Mona lobby? Tôt, ils sont perdus dans l'Ukraine, dans Nini, il y a les lèvres du régime, il y a pouvoir, je ne sais quoi d'autre. Ndeko Sango et Apasi. Et je pense que Jeko Béa a aujourd'hui raison sur toute la ligne. Des deux. Olobi, exemple, Olobi, non, mais profil à Bato, Awa, Bapesi. Na Bato Nyoso, Tangelingaï. Na Robandana, Motoa Liboso. Bialosuka. Bialosuka. Est-ce que c'est quoi sa motivation de venir gérer Kinshasa? Alors que Bialosuka, avec son parti ACP, si je ne me trompe pas, il a la majorité dans l'Assemblée provinciale à Kwangu. Pourquoi il n'a pas voulu aller gérer Kwangu? Il veut Kinshasa. Est-ce que c'est vraiment une vision pour développer Kinshasa? Ou c'est il a un intérêt personnel comme gouverneur à Kinshasa? Parce qu'ici, il n'a pas dit député dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Alors que son parti est majoritaire dans l'Assemblée provinciale à Kwangu. Suivez mon regard, ce qui les motive de venir postuler ici. Donc c'est déjà un faux candidat. Il y a aussi Vidi Etchimanga. Vidi Etchimanga, il est issu de quel parti? Il n'a même pas un seul député avec son parti Mallette. Je dis bien, il n'a même pas un seul député dans l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Il vient ici dans l'ambition de gérer Kinshasa avec quel soubassement? Parce qu'il faut être issu d'un parti qui a quand même un quota au sein de l'Assemblée provinciale. Ce sont des intérêts personnels qui les poussent. Un faux candidat. Il y a prof Kabissa, le professeur Kabissa, vous connaissez. L'ancien du Palou. Ouais, ouais. Les Palou ont combien de députés provinciaux? Mouyaya, je pense. Oazoua qui m'a emmené. 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 Qui sera là? Ache Jared. Ache le Guinaye. S'occupe moi. Donc, Babiloko. Parce qu'il y a ça dans G13. Ouais, ouais. G13 parmi les options, il y a qui est 1000. Mon y était. Le roi Zana National, petit n'est mon robot Tamboula Ranaye, déjà commis dans la provinciale. Bah, replacer, placer, bah, tout n'est moins. Bah, toi, le Lengyuana. Et puis, bah, ça, puis, bah, candidat, bah, toi, le Lengyuana. Bah, on est marabana, on a bon, bah, famille. Bah, toi, le Lengyuana, trop s'attendre, nanini. Mais je ferme d'abord la parenthèse. Kabi, c'est un ancien du Palou. Les Palou n'ont même pas 10 députés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je me dis, c'est quoi sa motivation? Il faut être issu d'un parti où tu as quand même un socle. Et sur base à socle, on a atteindre Baningam Sous avec un projet de société qui rencontre réellement les réalités à Kinshasa, où tu as évoqué il n'y a pas longtemps. Donc, Kabisa, et ça peut candidature fantaisiste. Il y a Lisanga Bonganga. Lisanga Bonganga, d'ailleurs, lui-même a eu du mal de se faire élire. Donc, il n'a même pas un élu. Donc, je pense que Yepé. C'est vrai, c'est un politicien, il ne veut pas disparaître. Bon, il a une candidature à présidentielle. À un moment, il était annoncé aussi comme candidat président. Après, à Saint-Guy-Report, il ne s'est plus représenté. Donc, moi, je comprends mon vieux. Il se bat pour se maintenir dans l'opinion, comme tout politicien. Mais ce n'est pas une candidature. Alors, il y a trois personnes pour l'UDPS. Il y a trois personnes comme candidat. On a Deo Kasongo, on a Diabanza, on a aussi Jekoko Mulumba. Très bien. Pour l'UDPS. Non, il faut préciser. Eric Wemba Lobby, le rôle d'un journaliste, c'est aussi de présenter. Na ba kinoa, tout na bande de gouverneur
qui est ce candidat, les profils de chaque candidat gouverneur, baye, ou va kokapé ko sala ou va bengi, va kokapé ko sala pression na ba ponami na bango na niveau provincial, va poné bango gouverneur azo rencontrer, n'est-ce pas, ba déshydrata ou ya ilia bango, pe ba réalité ou ya ilia bango. Je dis déjà que Deo Kasso n'est pas le candidat de l'UDPS. S'il doit arriver, c'est un transjugement qui arrive aujourd'hui. J'ai eu la chance de le fréquenter 2 ou 3 fois avec mon ami frère qui est coué à Makala, Mike Mkebaye, en 2018. C'était le candidat du FCC. Il est allé indépendant, mais dans son discours, il ne cessait de parler de Maman Olive. Il ne cessait de parler de Maman Olive, qui est l'épouse de Joseph Kabila. Et je vous rappelle que Deo Kasso était tout le temps autour, il y a Albert Yuma, Wazaki, Mokambi, à PCA, il y a Jekamine. Il était tout le temps dans le siège à Batoua, il y a Kabila, Ebele, Ebele. C'était un candidat du FCC. Et d'ailleurs, la preuve, à tout moment, il ne cessait de parler na bato oyo ya des Maman Olive et des autres. Donc parler de l'IDPS aujourd'hui, alors qu'en 2018 l'IDPS avait 7 députés, ici c'est 8 députés provinciaux, mais pour l'année il y a bimakité Mabunda Ouazaki, président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, Deo Kasso était tout autour naïe. Deo Kasso, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le sillage, n'est-ce pas, ya bato ya Kabila. Donc il était très entré dans les hommes influents, notamment Albert Yuma, Maman Mabunda, Maman Olive Lembe. Et donc c'était des gens qui l'accompagnaient pour Akokakopou sa pénépéné à Kabila. Et si serait passé en 2018 gouverneur, en tant que candidat, il y a Kabila. Donc aujourd'hui, le présenter comme un candidat IDPS, je me dis, il y a l'IPASI. C'est vrai, à un certain moment, a évolué Pembeni à partenaire à Kabila, au Dan Gettler, au Bati au Kangana, Bakari, Mini, Bele, Bela, Zola, Ndenga, Mabe, des cas sont évolués. Na Pembeni Naye, on le voyait côté à Dan Gettler, et à un certain moment, d'ailleurs, à Cordona qui. Communication à Dan Gettler quand il avait des problèmes. Donc, les présenter aujourd'hui, dire que c'est un candidat de l'IDPS, c'est vraiment méconnaître l'histoire. Parce qu'il y a des combattants de l'IDPS qui portent le combat. Ndekonangai, s'il vous plaît. Ndekonangai, Batika Kouboma IDPS. Sango, IDPS Zokoufa, dans ma pratique à l'Olenge Oyo. Nani Oyo combattant IDPS ou à Yébani, à qui vous témoignez, à mon Deo Kasso Ngata, une fois. Mais Jeko l'a dit ici. Alors il va présenter Bango Aza combattant. Tout ça, non, je veux maintenant vous donner les dessous de la carte. Deo Kasso n'est pas de l'UDPS. Il n'a jamais fréquenté l'UDPS. Pendant les 18 ans, il y a Rennes, il y a Kabila aux affaires. Deo Kasso a été proche des hommes influents. Il y a régime, il y a Kabila, notamment Dan Gettler, qui était le partenaire privilégié de Kabila. Mabunda, qui était la présidente de l'Assemblée nationale, Oye Ozui, Albert Yuma, PCA, richissime, il y a régime, il y a Kabila, Oye Ozui, Maman Olive. Et je me rappelle que pendant qu'il battait campagne en 2018, na lèvre naïe, comme Bande Kobima pour influencer ma députée provinciale à l'époque, c'était Maman Olive. Maman Olive. Maman Olive. Et le présentant aujourd'hui comme candidat de l'IDPS, mon cher ami, c'est tuer les partis et c'est vraiment cracher sur les combats. Il y a des combattants sur l'IDPS ou des bundi pour les lobes comme ma place baza. Et vous, on a commis la bango, transhumant, mercenaire pour venir, n'est-ce pas, diriger, n'est-ce pas. Parce que le problème, c'est qu'il est adopté. De deux, il est adopté par le parti. Pardon, tout ça, on a showbiz. Kala pété tout ça, on a un robot sanat. Pour on a un peu tout bandit les lotes. Bakatir, mon goba yarabou. Dire que c'est un candidat de l'UDPS, je viens de vous démontrer que c'est un kabiliste patenté. C'est vrai, peut-être qu'il n'avait pas d'erreur au CAPPRD. À l'Iran, à partir de monter, mais dans FCC, il n'y a pas de personnalité. Peut-être qu'ils arrivent à collaboration d'une à structure, chauveuse, un homme d'affaires, tout ça. C'est probable. Maintenant, j'en arrive. Wana, la personne en origine naïe. Dire aujourd'hui que de l'IDPS, vous comprenez qu'est-ce qui motive décision et à certains cadres de l'IDPS. Mettant au biprofil, Aïna Bafer, quelle affaire? A responsable à cette salle Moura spectacle, mais il faut aller dans cette salle-là quand il pleut. J'ai assisté à un mariage, 2 fois d'ailleurs, mariage à ma proche Nanga, Baba, quand il pleut, Tozako Téléma, ça sointe de partout. C'est un projet qui n'a pas reçu d'abord. Et ce n'est pas sur base à ça, il y a l'Olenge, que nous avons un partenaire, Mabunda, Naba Albert Yuma. Il était réellement personnalité à FCC.
qui sait, soit tu appelles à 4 Moko, soit tu appelles PPRD, soit tu as MCR, soit tu as parti Moko à FCC à l'époque. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Azali n'a structure, n'a la publicité qui n'est même pas nationale. Azali, moi, blog, mi balé, mi sato, ah, na Kinshasa, ah. Entreprise Nini Oyo. Yassima, on a au moins présenté top manager. Top manager, Mboule Beta, toi qui nous vend dans la showbiz. Toi, on a rebondi dans la gauche, droite. On veut faire soigner Kinshasa. On veut maintenant que Kinshasa soigne dans cette réunion. On a déjà des problèmes et on veut nous présenter un top manager d'une salle de spectacle, d'une structure. Il y a publicité. OEP, Mouninga Nanga, la Pessim Bote, Junior Nembalem Bazan Ango. Donc, parce que, aux ans, à moi, structure, non, le Lengiwana, au commis top manager, tu peux diriger. Mon cher Sango, Kinshasa, c'est une dimension, papi. Mégalopole, pourquoi mon aîné? Le management des villes, je ne pense pas que ça se résume à ça. Et ça, la réalité. Oui, Tata Raphaël Obobi, t'es là. Nazo, y'a là, yo. Nazo, songe là. Yo, autant à Tata Raphaël Obobi, qu'on inaugure, qu'on réhabilite dans ma Italie, nini. Francophonie. Mais est-ce que vous avez qu'on avait apporté un bon projet. On nous a fait rêver dans ces pays. Et je vous informe aujourd'hui que Déo, c'est vrai, c'est un gars qui a des initiatives, mais qui n'achève pas ses idées. La plupart des projets portés par Déo, est-ce qu'elle a inachevé? Elle a souba catcher out. Elle a souba catcher out. Elle a souba catcher out. Elle a souba réhabilité Tata Raphaël. Elle a eu combat avec un son au logo. Elle a eu combat. Il a fait rêver les Quinois. Bah, et bah, tobo la coute, bah, bouka, bah, côté, m'sous. Mais, ce qui est francophonie, y a quitté, mais ma bonne outil, ce qui projet Zalagi abouti, ce n'était pas Déo. Déo a mis les moyens. Je pense que Zalagi général, Louyo, yo, quelque chose comme ça, bah, yo, kanaki na été, Sango, tant que y a eu ce projet, a ben, agi, bino, yo, sauté, n'a mon agi, bino, non, elle a fait le direct. Yo s'adresse à qui n'a opinion quinoise. Mais Zonga, eux, ça va m'ouéter non. Ngaï, je suis un homme sérieux, honnête. Contraire, on a signé qui. Nous sommes mosolo yango, tout ce qui est na banque. Bah, entreprise déjà, yo, bah, qui peut battre. Bah, on va si, bah, commis. Mais ce qui est salémité, des ordres du gouvernement, la bino, tous. Ministre à sport, tous. Général, sont par un bloqué projet. Est-ce que Déo est revenu? N'a qui qu'autant, yolo, bah, projet, bah, chinois, belé, bah, procès, ça. N'a pas eu qu'autant, la mozindo, pour pas le battre acharnement sur Déo. Mais, c'est les candidats problématiques qui a des dossiers ébélés dans la justice, mais aussi Aza accusé dans ma camoumoua ébélé. Donc aujourd'hui, Déo, et vous savez pourquoi Déo, en 2018, Azoa, quand vous voyez, même s'il y avait certains députés, qui font Yangaï, oh Yangaï, mais c'est aussi le problème, il y a des organisations. Vous savez comment il abordait les députés provinciaux? Certains députés provinciaux, Oyo, apprenaient que langue n'a bango. Na dernière minute, il ne prenait même pas son téléphone. Je ne sais pas ce qui peut candidature aux allons candidature au Moko ya business. Je vous rappelle que na série Moko papa m'a demandé moi Robi showbiz et aussi ma monde. Ça va faire aujourd'hui 15 ans, 20 ans. Tu remis dans monde quoi showbiz. Showbiz et côté narrative politique. Certains viennent faire des affaires même là. Il y a des candidatures sous mon toit chekaka. Pour ben va partenaire même sous bon. Mais en réalité moi ben ta oliganeté. Alors ben 1 million Ache moi 200 000, moi j'ai, bah, c'est moi 2000, moi 1500, mais il y a ça business naï. Mais il n'a aucune initiative, il n'a aucun projet pour la ville. Et il sait que ça, candidature, moi, à commerce. Et quoi, boutique, on est le lui, il y a je ne dis pas que c'est le cas. J'ai réfléchi à autre chose. Les membres de lui, ce sont des candidats. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai Coco. Est-ce que j'ai Coco, par exemple, toi, il dépasse? Au moins, il dépasse Nengezoku. Qui ne connaît pas les parcours de j'ai Coco? On peut tout dire. J'ai Coco, c'est un kabiliste. Et ça, frustrationné, on ne connaît pas Kabila. Au Bakanga, on a le pango, ce qui est indien, mouillé, mouna, mouna, français, calom, ben, de sa trafic d'influence, avec ça, on a été endoïqué. Ils voulaient qu'ils soient protégés par certains caciques, ils ont été exposés. Naba, méthode, naba, on va nous saigner, mouna, français, calom, bon. Frustration, on a qui au côté d'un MLC. MLC, tu sais, c'est un parti, oh, c'est pas un parti des masses, hein. C'est quand même un parti, eux, un mois, mitoumou, belé. Il n'a pas pu émerger là-bas parce que là, le populisme n'a pas de place. Et c'est une moi, bongwe, vanda. Et c'est une moi, maïle, bimamou, mingi, akimiwana. Ti, on s'est retrouvé dans l'IDPS. Chekoko n'a même pas 10 ans au sein de l'IDPS. À peine il vient d'arriver, c'est un PPRD. Tout fait. Il arrive, c'est lui qu'on propose vice-gouverneur. Il arrive, c'est lui qui veut devenir aujourd'hui gouverneur. Mais, Diabanza, oh, Diabanza, profite Nemoko Onoye, c'est vrai. Est-ce qu'il a déjà géré? Je ne pense pas. Non, Azara, il y a pas Azara là-bas faire. Azara, là-bas Corbillard, tout ça. Non, ma tété. Azara, député provincial. Les lois, Azara, député, mais. C'est un membre d'un parti qui a milité à Bandina, c'est-il, l'augmentation du secrétaire national, si je ne me trompe pas. Voilà des gens qui peuvent représenter l'IDPS.
venir nous amener des parvenus au hôtel, hôtel. Bon, on a habité Moussa à Salakawana, mais en termes éthiques, en termes de vision et à partie, si l'IDPS doit proposer, ça doit se jouer entre Badia Banza, entre Jacques Chabani, entre Paul Chilumbu, entre tous ces gens-là qui ont milité, David Moukeba, il y a autant. Mais attends, on est au courant. Prof Chilumbay. Prof Chilumbay, n'a pas quitté. Il faut pas payer ça Deo. Parce que Deo, il y a Mindele Naé, il y a Turc. Mais les Kinois oublient vite. Les Kinois, peut-être que va proposer des Bossani, mais je ne pense pas que les Kinois sont amnésiques. Mais les Kinois Bossani sont américains. Les Kinois sont anglais dans la chaubaise. Ils sont américains. Suite des athées. Suite réalité. Vous pensez que ces Turcs-là, oh, Léon a quitté. Il est dépêché au Koufa. Kassik Nyoso, Agnès Assad, Dauphin Naye, dans la province Songo. J'apprends qu'il est avec Nicolas Kazadi. Mais Nicolas Kazadi, c'est pas qui connaît sa vie, son milivers soit ton centre financier. Dans hauteur, il y a près de 400 millions de dollars. Vous savez, c'est contre ça combien d'années? Ils vont récupérer ça dans près de 40 ans. 40 ans, j'ai appris. 400 millions de dollars à récupérer pendant 40 ans de Kosango. On est liés, les mains liées, Singana Kingo. Bazo y a un projet aéroport, 1,5 milliard de dollars. Près de 50 ans, plus de 50 ans pour récupérer Mbongwana. Arena au Bazar Otonga. Vous savez, c'est combien d'années? Ngobilasi a négocié avec Nabango. Bazo y a un combo à Kinshasa. Bazo y a un combo à Kinshasa. Té! Bazo y a un combo à Kinshasa. Té! Lola ngobila a négocié avec Nabango, a négocié avec la firme à Mouké. Bisoto Keneto Luka Milveste, Milveste Ndaza Monene Aya. Vous savez c'est pour combien d'années? Donc vous aurez un gouverneur lié, le main lié, Singana Kingo, par contrat Kili Kili, la province, Mbongo se banda Okota, Tozofuta Beba Nyongo, et où on veut un top manager qui peut ici venir révolutionner la mobilisation à recette. Donc, bref, pour la rechiter, de tous les candidats présentés, en termes de profil. Pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa. Parce qu'il y a aussi en termes de profil, au Italien, un, éthique, politique, vision à parti politique, de Okasong et les autres, Batomina, Bakouina, Liboulou, Diabanza, quand même, il répond à critère au Italien, parcours politique. Il a appris d'un leader. Ce n'est pas un transhumant. Il n'a jamais géré dans l'administration. Et il des deux, dans l'histoire à Kinshasa, peut-être la vie dans l'histoire à Kinshasa, de tous les gouverneurs qui se sont succédés, c'est les Bandundu, c'est le Congo central. La majorité n'est pas gérée à Kinshasa. C'est le Umbu et le Teke. Moi, je n'aime pas ces principes-là. Non, c'est pour vous dire quoi. C'est pour vous dire quoi. Non, non, le vote, il est d'abord sociologique, mon cher. Si, je refuse. Ça part d'abord par la majorité de ceux qui portent le pouvoir. Pour la ville comme Kinshasa capitale, on n'a pas besoin de ça. Des trois, Kinshasa demande quelqu'un qui a quand même un parcours académique aguerri, mais aussi professionnel. Mais sur Otali, il y a des gens qui sont il ne faut pas seulement rester avec Deo. Par rapport, il faut voir Jekoko, il faut voir Lissanga, il faut voir Kabisa, était faut quand voir Vidi, il faut voir la... C'est ça que j'ai dit, Jekoko était vice-gouverneur, Belsouka était ancien ministre, Lissanga Bonganga. Bonganga, ancien ministre, ancien député national, Vidi Chimanga, conseiller principal, même si Naïmana Arougi était Babingani il y a deux mois, je ne vois pas le management qui va mener à la tête de la ville. Alors, c'est quand même un député provincial aujourd'hui. Seulement un député provincial aujourd'hui. Secrétaire national d'un parti populaire. Donc, il a quand même il a à apprendre la politique. Mais Deo, c'est un affairiste qui tourne autour des hommes politiques pour les amener à la COP. Il faut plutôt l'appeler entrepreneur, c'est mieux. Oui, entrepreneur à ça, le spectacle. Il y a publicité à Mouké. Alors, peut-être on va terminer. Ce n'est pas seulement Kinshasa. Il y a Lubumbashi, il y a aussi Mbujimayi. Ça, c'est aussi un autre problème. On a vu le problème avec Mathias Abidi. On avait commencé avec Maweja après Mathias Abidi. En fait, les candidats qui sont présentés par l'UDPS, partis au pouvoir, à un certain moment, ils ont posé problème. Parce que quand ils arrivent sur place, c'est incompatible par rapport donc, à... Ils ont quand même l'information au relais à Ngopé. Natina qui reportait dans un procès à Ndeko Nabiso Stanis Bujakira. Netik nous a dit qu'on annonçait si quoi, le ministère public et Sengi Bakatela a 20 ans de servitude pénale principale contre... Pour la journaliste Stanis Boujakir. Voilà, Bassengi 20 ans. Bassengi 20 ans. 20 ans. Donc, Nakanisi, Mokonzi Amboka, le Béa Kilkambouana, justice et Sengi l'été le Mambangu. Ce que ça va faire, Moussousou, on a disposition, il y a public, donc à Kouyeba, parce que c'est quand même un confrère,
Et ça la passe dans ma main, mais quand il est 20 ans de prison, proposé par le ministère public. Alors, l'information vient d'être tombée. C'est Gauthier C qui nous informe en direct. Stanis Boudjakira, un ami, un camarade, un frère. C'est vraiment le sang. T'as le problème à Kominango, 20 ans de prison, proposé par le ministère public, mais il y a un mois, ils ont soukaté. C'est-à-dire. C'est pas un jugement. Non, c'est pas un jugement. Bah, on débattre et puis, souk, après débat, on peut arriver dans 2 ans, à quoi qu'on a la paix à quitter. C'est une possibilité. On verra comment est-ce que le dossier aussi là. Oui, Ndeko. T'es bon, on a un bagisa, tout ça, on a un mot, ben, territorialité. On a pris sur l'exemple, ben, l'NJP, même en Congo, tant qu'on a eu un vieux con de ville à Kikanda. Tout ça, on a un jour, on a eu un calava, koufa, l'obinanga, à Yaka, on a Kinshasa. Si c'est qui du père, voilà, si c'est qui du père, on a un père, à est président, ce qui est sélectionnaire, il y a un père dans Selembao. N'est-ce pas, diabans, en abali. Après, bah, y'a comme à Bourgoumès. Bourgoumès, en matière, Matiti a commis gouverné. Y'a un autre monde, par exemple, soit qui est à Goma. Razaï Moutaba Congo. Conde Villa Gikanda. Mais, babane, vous votez, na Goma. Na Nord Kiv. Pour na bata Nord Kiv, batika la na ba, souvenir, y'a malamo. Bah, viens, abiso, bah, moins de Simba. Azara gouverneur na Sidi Kifu, sauf que tout dans les maires gouverneur, mais bah vient na bazali na parcours. Mais na zoumou na quand même banalisation à vie politique na kata Congo. Donc comme il faut banaliser, donc moutouka a sali ça la spectacle. Bah c'est belé na bakarati na bazouna balingua là. Sauf vraiment yango an eza critère, mouta sala a sali la spectacle, yen des fois comme ma gouverneur, mais bah DJ, si tu ouzo bah DJ nous na ville, tout le monde se va gouverner. Yon tout tika blague ou bien mouninga yaden d'etler avou ma gouverneur na Congo. Ne fils que moralement. Ce type est accusé partout, à ce sala. Oh, bah, bengi, na le pot, au bradage, y'a bah, minéré. De yoka, son rôle, n'est-ce pas, y'a qu'au blanchir, moutouana. En termes, y'a communication. Moutouana, azo, azana kata mafia, y'a na kata Congo. Alors, bisou, tout, qu'il ne vote, moutouana, bah, y'a la bisou, bah, américain, moko, on a évité, sui, bah, zaki, bah, jamaïcain, sui, pour, bah, n'a le banglais. Et ça, a été, sui, moutouana, le banglais, américain. Ou, on est, zaki, vraiment, farce. Est-ce que vous avez déjà eu le temps, autant, à programme, y'a des occasions? Ne serait-ce que son programme? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a cause à la programme de yoga? Ah, ça, un programme. Ah, il y a COP. COP qui gouverne, et ça, COP. Si on a commis gouverné, bah, COP, il y a un monsieur qui est belé. Tout autant à te. Bon, vous en a moutou, moi, ça, COP, n'a bête, rabou, et bozu, vous payez ses postes, ou et permettre de s'enrichir. C'est un businessman. Avec l'idée d'avoir les centres de spectacle presque partout au Congo, hein. Chobezouana, n'a pas souvent abandé comme sous. Eh, papa, vous autres, tiens, moutou, vous soyez à vous foutre à marade. Bon, on a l'impression qu'on ne fait pas ce travail-là. Tout le monde a chobez. Tout le monde a vraiment, est-ce que même chobez, il y a un salaire régulièrement. Comment tu as fait pour banaliser notre vie pour nous sa ville à Kinshasa, ville où la capitale pas le roi de Dieu. En tout cas, tout le monde a mis sous. Il y a un salaire qui est bien. Je ne les connais même pas, mais je pense quand même que Moutou Azana Kata parti pour. Alors, l'Union Sacrée a publié Akoki, la liste et a compris la bango partout, sauf la Kinshasa, parce qu'elle consacre. En tout cas, Nayoki, discussion à Makasi, secrétaire général à IDP Soaza Informateur, Nayoki n'a pas moi qui n'est pas chef de l'État, toujours c'est un bango va présenter Bissou Moutou Moko ou Azana vraiment capable de rediriger ville. Tout le monde cop, ou Azana révolter vraiment la population, tout le monde n'a Katanga. Moutou Tozou est la Kaboula, Batou Bazem Pékouna, Naba province. Ba dossier mineno ya ya bakato douana. Ou abate ke fungurume. Son nom a été cité. Il a été interpellé par les services ici dans le pays. Il y a des lourds soupçons qui pèsent sur lui. Pourquoi qu'on soit moutouane ou on a été étiqué? Kouba qu'on tient moutouane ba deyo. Ami Aden Dedler, ou tient étiqué. Alors je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des pèses bakat et basili? Ba pour n'a ba vrai ba toi des pèses, ba zalipe, ba vieux anaboli ou pèse à mon ba pose d'été, ba vandara, ba talaka. Alors on posera des questions, nous sommes arrivés à la fin. On posera des questions à Kiaboula et à Kabouya, pardon, parce que c'est Kabouya le secrétaire. Oui, nous pensons que le secrétaire général de l'IDPS. On posera la question. Ah, ça n'a pas choix. Parce qu'il y va de l'intérêt à Bilin à IDPS. Cette fois-ci, il n'aura pas droit à l'excuse. Il faut dire à Kabouya, je lui lance un message, secrétaire général, tu t'es bien comporté dans la poste de informateur. Puis une première fois, et les médias, oh, ben, ceux qui sont proches de l'opposition, et les médias au centre, ceux qui ont les médias au pouvoir, vous avez été félicité de partout. On a acquis une maturité politique, mais aussi confiance na yo. Oh, mon conseil, on pas na yo. Et ça l'y était. Bah, pêche sous tâche, on a acquis seulement mon colo. On a presque formateur. Donc, je pense que, l'autre mot, on a dit bungaté. Et l'autre mot, on a dit bungaté. Constate que, après avoir seulement publié la liste de Noana, sauf Kinshasa, tu vois que tous les médias sont dessus. Et tous les combattants sont contre. IDP, c'est le parti du peuple. Vous avez fait retirer les chefs de l'État, c'était où encore? Au Fayou, le candidat de l'opposition. Peuple et Télémaka, vous voyez, Sarah Tshisekedi était peuple de base et Bouy. À Genève.
na Genève base boy qui serait d'ailleurs qui comme candidat y a IDPS et aujourd'hui base boy qui a boule aujourd'hui base boy Deo aujourd'hui base boy tous ces transhumants qui sont proposés par l'UDPS. Ils veulent de vrais enfants de l'UDPS et de vrais partenaires de l'UDPS. Ici, on ne dit pas que candidat faut arrêter à l'UDPS. L'UDPS est des partis alliés. Depuis l'existence de l'UDPS, il y a eu des alliés qui les ont accompagnés, qui n'ont les lots. Aujourd'hui, vous allez combattre, vous allez membre de l'UDPS, c'est dans la carte. Je pense voilà. Que c'est un état d'esprit. Bah, aussi. D'esprit. Ça, bah, allez, état d'esprit. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. La plupart des journalistes, c'est aux alarmes à Pékin. Non, Deo n'a pas été dans les combats. Il a été dans les majors. Il y a des candidats de l'UDPS qui ont été nommés ministres. Ils n'ont jamais été dans l'UDPS. Mais Bakenda n'a tiqué, il y a IDPS dans le gouvernement. Aujourd'hui, il faut soulever les partis. Que le secrétaire général Kabuya ne se laisse pas influencer ou du pays dans le Miliveste. Je lui rappelle que Belève sont américains. Les lots n'ont pas de Miliveste. Miliveste, il y a sous ce cas Congo. On ne doit pas ici avoir un gouverneur nous imposé par des partenaires. Le Congo ou Kinshasa n'a pas seulement Miliveste comme partenaire. On a autant de partenaires. Et je lance aussi un message dans les financiers de la ville. Et les gentiers, l'argentier de la ville, plutôt, du pays. L'argentier du pays, j'allais dire. Le ministre Nicolas Kazadi. Qu'on tombe la piège OET. Laisse les députés provinciaux. Laisse aussi les partis se choisir un candidat qui va rencontrer Oezali Maye, il y a depuis Yanine. Mais aussi, négociant, on a 30 secondes. Maye Oezo Bomamboka, Oezali ba pratique Oyo. Ceux qui ont Monique Aboula Batikye, Omonina Lola, Bazon, Ote, Totika, Batuta. Parce que la plupart des caciques, Bazana Maye Oezo, Jeko Bealobaki, Bakoma Baminye. Lelo, qui est, quel est ce cabinet? Il y a avocat Oyo et Jiraka, Okatanga, Nalolaba. C'est un cacique au gouvernement. Aujourd'hui, pourquoi on en veut à Jules Alinguette. Les lois on a moni, bah détracteur wana, bah bimisi sous mon solo. Bah repère ça certains médias, certains journalistes pour s'attaquer à Jules Alinguette. Campagne à SAP, ôte à Zouaki, ôte à Saïba décharge. Vous allez voir des documents avec 3-4 signatures. Tout simplement parce qu'ils sont avocats. Ils sont partenaires dans Bakaré Minier, dans Lualaba, dans Okatanga. Oh, les lois IGF a bloqué bah paiement. Oh, les lois IGF a scellé bah compte wana. Il y a une agitation à certains caciques. Sortez des mines. Vous n'avez jamais été des miniers. Très bien. Vous dites minerai, allez, bah minier, bah merci la minerai, bino, bah la na bino, merci à l'Italie politique. Eric Wemba et Gauthier Sey d'avoir été des nôtres. D'ailleurs, vous avez la canda. Et vous avez la canda. Tambola na mboka lelo. Kende na kabamba. Tambola qui tchasse au coup. On risque de perdre cette ville. Tout tia bateau, bayebi territorial. Oh, bayebi, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire avancer les choses. Bah y a pénal dans ma programme, hein? Bah y a dans ma programme. Ngaku na rosenga boya peut-être dans ma débat contradictoire. Y a ma candidat gouverné, y a ta rosala mort. D'ailleurs, on défend des programmes, n'est. Alors il est grand temps. Jean-Lise Boussa, bah tous en la risque à son reçu ministre à commerce extérieur. Quel est le bilan Jean-Lise Boussa? Tu es bien content? C'est toujours lui. Tous en la temps moi moulay car Jean-Lise Boussa n'a pas ramené sa commerce extérieur. Est-ce que vous savez que Jean-Lise Boussa a créé la désordre et belé na s'il vous plaît, n'a repé ça au cas qu'à parenthèse. Moi, bien Apex. Oui, en Apex, ou en a les lots, ce qu'on mine en bilinga bilinga, et ça pour la Jean-Lise Boussa. Les lots, bah, toi, Boudja la Nyonso. Donc, c'est devenu une entreprise. Il y a parti à Jean-Lise Boussa, naïe colonaïe. Bananaïe, Bastia Bananaïe, Bangonde Baba, Bé Moussalate. On lui fait des comptes, il veut qu'une entreprise soit autonome, et bien dans ça, il va compter au midi pourquoi. Et il a profité d'un moment de campagne pour suspendre à la cavalière l'état général à Anapex. Croyant que le chef de l'État serait distrait, heureusement, le DIRCAB était vigilant, ben, il a aussi gagné toute honte, but, réhabiliter Motowana. Donc, j'ai l'issue pour ça à semer des ordres de ma casse dans le commerce extérieur. Je me dis, pourquoi on les maintient toujours à ces postes-là? Mais là, il y a quelque chose qui s'est rallié dans la caméra pour pas proposer qu'un poste en terre. Cette fois-ci, pour s'y servir les pays, nous avons député national. Oui. Jean-Lucien Boussa, vous avez dit que le ministre est tout. Il y a d'abord un anti-Tshisekedi, un anti-IDPS. Tant que le système est basculé, il y a un mot. Il y a un ministre est tout parce que moi, je suis dans le bureau de l'Assemblée nationale. C'est un rodage. Dans la récompense, moi, je suis maintenu papa. Je suis dans le bureau d'âge parce que mon suis dans la révolution. Je suis dans la révolution pour mener ma combo, pour repérer sa binonie. Amina, tu as 5 ans à moi pour le ministre. Tu as 5 ans à la source. Papa Mboussoabi, mais monsieur le président, on a bien travaillé. Continuons. Il y a un monde qui a été bureau d'âge. Ce qui est commis à moi, il y a Boussa, il y a un monde qui a été papa. Il s'est sacrifié pour la famille. Eh, donc il s'est sacrifié, il m'a dit papa dans l'autre. Tout ça, on a besoin d'un ministre, le roi Jean-Lucien Boussa. Vu, on a un monde qui est vraiment, tant que MLC, on a un débat économique à ma casse. Il y a un monde qui est monté, il y a un monde qui est monté, mais il y a un monde qui est monté.
il a un profil faible dans le commerce extérieur. Il n'y a pas que les Boudjala. Il y a beaucoup de ressortissants de Boudjala. Je pense que les chefs de l'État, cette fois-ci, il faut annommer Batouba Energia qui ont quelque chose à proposer. Vous avez vu l'improductivité de Sam Aloukoun. Inefficace en tant que Premier ministre. Il était quasiment inexistant. Premier commissaire d'État. Ce n'était pas un premier ministre. Mazo Bundatika. De Moussango. Est-ce qu'on peut encore accorder le crédit à Sam Aloukoun de pour être nommé Azo Bunda. Soko Mouni Pena, même Mouni Tango sondage, Salamaki à Sam Aloukoun. Parmi Batoyo, ba menaki guerre wana ya Gilles Alingete wana. Ba Sama Bazana Kati. Sama Zagi Pena Kati. Mzouboye Bagate. De Moussango. Donc Sam Azo Bunda, Yazo Yaga a représenté moi ba Mosaïe Guinée wana. Bah, mosaïque, n'est mon mais tout n'a pas congolais, les lots. Est-ce qu'on a eu un premier ministre dans ces pays pendant 5 ans? Même Matata n'était pas si faible. Le gouvernement le plus faible et Mboka Nabissio, c'est le gouvernement Sama. Alors, ils ont été appelés Wario. Gouvernement Oyo, c'est le seul gouvernement, pendant qu'ils sont aux affaires, on a perdu autant de territoires. C'est le seul gouvernement, pendant qu'ils sont aux affaires, où, Bastika l'attaque ou le langage, mon côté, les ministres s'entrent dedans. N'a mis sous la barbe à premier ministre. Il est incapable de gérer même un conflit entre ses ministres. Sam Aloukoun est incapable. Regardez comment certains ministres s'attaquent à Gilles Alingeti. Alors que Gilles Alingeti, c'est un haut fonctionnaire. C'est un service rattaché à la présidence. Sam Aloukoun, c'est une médiation entre le ministre et Nathami Balé, Bazar Oweli et Bazar Oboun. Sous Matata, on n'a pas vu ça. Sous Badi Banga, on n'a pas vu ça. Sous Chibala, on n'a pas vu ça. Hein? Problème autorité personnelle. Sango, na une parenthèse, j'avais assisté à une indiscrétion, il y a 3 membres au gouvernement, Bazako Betali Solo, comment certains ministres, il n'a même pas le courage à interdire le premier ministre. Et il y a certains ministres, est-ce que vous savez, je vous informe ici, est-ce que vous savez que le ministre des Finances avait écrit au président de la République pour être autorisé à respecter les mesures conservatoires, en attendant que l'IGF, tout ça, pendant que l'on a démissionné. Qui devait le faire? Le premier ministre ou le ministre des Finances? Et le ministre des Finances, le premier ministre, il est au courant. Qu'est-ce qu'il en a fait? Très bien. Combien de décisions du premier ministre qui ont été bafouées, données par le ministre des Finances? Le ministre, il n'a jamais exécuté. Après ça, au ministre, il a épaissé. Ben, exécuté, mais il est là. Est-ce que à ta action disciplinaire, Royoka? Combien de ministres ont tombé dans le piège à l'immoralité? Je vous rappelle qu'à l'époque de Matata, il y a eu 2 ministres qui ont été suspendus sous proposition de Matata. Et un révoqué parce que tombé dans le piège à l'immoralité. Mais je peux vous citer combien de ministres? Vous avez un ministre qui va filmer les inspecteurs à Tchang sur la place publique. Il a pipé Moussa Malkonde. Vous avez un ministre de Finances qui insulte les inspecteurs. Il dit qu'ils sont médiocres. Vous avez le ministre Mouyaya. Vous avez vu une action disciplinaire de Sama? Non, pas seulement Azapir Petia Sama, mais son frère est dirigeable de Sama. Complaisance, légèreté. Donc ce gouvernement, on ne veut pas avoir un premier ministre qui est trop radical et qui est dur. On veut avoir un ministre, un premier ministre un peu. C'est balingi de Batouba Lobby. Babaye ba politique, balingi technocrate, bwakoyana maramde ti ba réforme, ba lutte contre la corruption, pone avancer batu. Baboyi na bango ba politicien wana nyonso, ba wambrier batu na kata primatie. Allez, merci, on a fini pour aujourd'hui, on va revenir les profils ngeni composition à gouvernement au Salamanca. J'ai appris peut-être moi si muta oza la premier ministre. Te melo mo bena yo ki tout ti ka miloko yo na zoka e komi likamba ba kota. Faut en a dit député un ministère. Non, 8. 8 députés un ministère. Sorosa la c'est aux 8 vice. C'est comme ça que ça se partage. Et puis géopolitique pe koti place wana. Ne place babou sa nyamba ba nani. J'ai l'impression que on a fini. Oui, mais société en Ognoso, même place de Fengeto soit moi refuge na Ecclesia.
partout le réunion sur c'est comme si c'est baby t'as la maille oh yo ils ont les cana église corps du Christ en déco sango oh mon a kalayo yebi yebi on a ouvert moi mingi est-ce que le yebi ils ont concurrence ouvert belanzambe ils ont qui ngolo ils ont qui adoration ils ont qui adoration bat pas ouvert mais un peu louange bat pas mais t'as là ouvert comme les kalayo comme business et comme concurrence et comme le voilà falina ouera ouais c'est date bon on a fait un mois à la bon mais puis ça Banzé mboa ka lesara d'onction pour bande no basala on habite commercial tato yembo kembo na jembo ko una na zo. Tu es inspiré de ko sango et ka ka na vocation. Allez, on a fini. Biloko ba donateur on a chité quand même wana, je suis chrétien, ça me fait très mal, mais j'estime que depuis eloko sogi ma djabu et ya na monde ya musique na biso, c'est comme si ba ko kotsa moi des ordres mingi na corps na biso na ba évangéliste na biso na sa moi musala. Tala yo zo le kalelo. Madjabou aye autour de Madjabou, il y a beaucoup de scandales. Zawadi, Lelo Vaseline, tu es pas Vaseline autour à Madjabou. Tu vois, autant de divorces, ba pasteur, oh, tu es sur qui local, sur qui Deborah, sur qui local, mobile n'est pas publié, beaucoup d'adultères autour car à Madjabou. Aujourd'hui, Madjabou nous présente quand même un plan Moïse Malamouté. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme Ferré n'a fallu. Moïse avait ta conseil à te, Madjabou pas créé ma date. Lelo, ambassadeur, nous sommes Madjabou, ba ba conseil. Le 19 koto yo, Moïse a robeta, na braza pe, na braza ba tche concert. Na zenith koto, moni yo, ma ekipa robeta. Hôtel de Bohan robeta. Donc, ils veulent créer l'actualité kaka autour ya Madjabou. Donc, ils veulent étouffer événement ya ndeko na bango corps en Christ msusu, Moïse Mbiye. C'est vrai, appel à ma benaye. C'est vrai, pas ça, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment ça le but? Il y a un concert, il y a un très bien, on reviendra. On va revenir sur ce dossier de Madjabou. On a mis sur Madjabou, c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'il gagne? Non, tout ce qu'ils mettent comme argent autour, Léon a monné au Rafi qui m'a dit, bah, on est pas qu'il y a des classes, bah, on est qu'on distrait, bah, non, est-ce qu'il va super avec les le basé Mikuna Kili Kili. Très bien. Qu'est-ce qu'il gagne avec va tout ce qu'il met comme de l'argent? Calmez-vous. Nous devons y revenir pour quand même éclairer l'opinion. Merci beaucoup. Qui communique sur Madjab? Merci. Tous ces anti-valeurs va finir en internet. Mamoudé va revenir communicateur, va conseiller à Madjab. C'est quand même grave. Merci. Et je reviendrai pour des détails. Merci beaucoup, messieurs et dames. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Oh là là. Nani Rosala, prochain premier ministre, ou prochaine, ce que vous voulez. Bah, nani Barozonga na gouvernement. Parce que nani Lobagi na ngona gouvernement, ou yasama, ou namoni gouvernement, ça très faible le rôle à ouïté, l'improductivité. Je n'ai rien vu. Bon, mobiliser Mbongo, bah, DG, IDGRA, DGDA, IGF, cours de compte, 10 milliards de dollars. Bah, fonctionnaire, bah, ça paye. Mais pour la quoi affecter Mbongo? Oui. Nous sommes les 8. Pour quoi affecter Mbongo, il y a 400 millions pour un centre financier. Mais le projet est prioritaire pour un bateau avec l'impact social. Le projet agricole, industriel, tout le monde a été tourné à 40. Le bateau est au bout de pouvoir. Nous avons l'élite, nous avons l'élite, nous avons l'élite, nous avons l'élite, pour continuer à noter. Mais quand tu seras nommé, tu as un projet à vol. Le monde est au bout. La maison préfabriquée, tu es l'élite. Nous avons l'élite dans le monde de la terre. Ma maison préfabrique. Banda waka church. Banda waka church batunga. Mais est-ce que tika nanu. Le chef d'État a inauguré le Wesley Lanam. Tika nanu. Les travaux continuent. Tika nanu, tika. On va prendre Naimba nanu joyeux anniversaire. Toi mais la moi na Bolojo. Alain Bolojo. Moi na ko 20 ans. Toi mais la moi na Bolojo. Comme on a Simone Bolojo Ntumba. Bolojo bala balubati. Moi, on a 20 ans, moi aussi. Tu as eu les joyeux anniversaires, puis on va terminer avec un élément. Yéwana, comment on a eu Simone Bolojo. Joyeux anniversaire. Ah, non, non, moi, on a 20 ans. Ah, félicitations. Bolojo, tu as ici déjà, ben. Attends, un combat. Oui, attends, un combat. Un combat, la police, félicitations. Bon, la balance, santé, bisous, batata, joyeux anniversaire à notre fille. Simone Bolojo, Ntumba, 20 ans d'âge. Longévité, prospérité, bonheur, succès, ma fille, va de l'avant. Bisso batata na yo, nous sommes tes pères. Bisso toza batata na yo, tu bois keli yo ba fleur. Kende li boso, ou me la mouana na bisso. Luka fiancé, ce qui a mouana ni yela bisso batata, tu t'y a pris. Bolo djwa mouana a onen na mouni boba 4300 debat. Tu gros souka na ba 3700, nga mouana zo fixé prix en direct. Happy birthday to you. Eric, yo yembagade. Mana yibo yembabe na biente. Joyeux anniversaire. Naza bena bon chanteur. Motama. Il parle bien à Chimba. Moi aussi, bonne fête de la femme à elle. Na ba mama nyo so, surtout ya est. Ils arrapent la Chiluba. Il est dit, ya bwimpe. Allo. Il est dit, ya bwimpe. Mamou Bolojo. Simone Bolojo Ntumba wa mamou.
On va revenir. Lubumbashi, grâce à son leadership, le DG Armand Kabange a réussi à matérialiser la vision du chef de l'État en offrant aux étudiants des conditions d'études adaptées. Il a construit plusieurs auditoires et aménager le campus universitaire. Alors vous allez suivre cet élément yangonde ko kabola bison na bino asali musala munene leadership managérial otali entrepreneuriat au moni touche d'un professionnel oyo DG Kabange asali DG Armand na IEC ya Lubumbashi na boakeli ba fleur et puis na féliciter pour notre travail. Ba to bonde bazako bondisa mais c'est quand même quelqu'un oyo tangoyé na IEC a kuti ba conditions za qui vraiment infrahumaine mais touche particulière a bimisi maile na ye a mobiliser mbongo et puis si résultat le loso côté na IEC ba étudier ba sepeli bazako linga parce que touche za malam ba ta ko soutenir bangwana. On a fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Bonne fête à toutes les femmes de la République. Bonne fête na moisi na yo. Bonne fête à madame Grace et Soran Tsongo et à ma fille aussi chérie Chloé Madiamou et particulièrement aussi à toutes les mamans de l'Est na ngonga oyo. Très difficile de cœur na bango et nzambe azamu sungi malamu les égyptiens que nous voyons au baronyo que la biso ba mama pe ba ndira biso ba on les reverra plus jamais. Mamo grâce bitoa bou bonne fête bonne fête à ba mama bonne fête en tout cas na pesika ba mama nyo zo bonne fête merci mama te la visi ba mama nyo zo bonne fête na ba visi mama moi na ba mama on a fini voilà fini l'institut supérieur de commerce IEC Lubumbashi a changé de visage depuis l'avènement du professeur Armand Kabange à la tête du comité de gestion de cet établissement. Grâce à son leadership et management, toutes les lignes ont bougé. Il y a quelques années passées, l'IEC Lubumbashi n'avait pas son patrimoine. L'établissement était sous-logé, l'administration au building administratif de l'Université de Lubumbashi et les cours administrés dans le locaux de la faculté de médecine. Il a fallu de la volonté d'un homme, Armand Kabange, pour voir de bâtiments poussés comme propriété de l'Institut supérieur de commerce. Le directeur général de l'IEC, le professeur Armand Kabange, a mis toute la batterie en marche pour faire renaître de ses cendres cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire qui met sur le marché de l'emploi chaque année de milieux de jeunes. Félicitations et grand merci au DG Armand parce qu'il est en train de faire des grandes choses. Il a apporté en plus. Il n'y avait pas vraiment plusieurs auditoires qu'aujourd'hui. Et puis concernant les travaux aussi d'aménagement par rapport à l'environnement, on remarque qu'il y a les pavés qu'on a installés. Avant, il n'y avait pas. Je dis que non, cette année, on étudie merveilleusement bien parce que les professeurs sont toujours là quand il faut et ils sont toujours présents et à l'heure sur tout ça. On s'est bousculé pour payer, il fallait trop traîner. Mais là, on a installé des banques. Et aussi, avec MicroCash, c'est facile à partir de son téléphone. On peut payer facilement et tout et autre. Au comité de gestion de l'IEC, le professeur Armand Kabange a fait de la rigueur dans l'enseignement son cheval de bataille. Voilà pourquoi il a impulsé un élan de développement sans précédent. Tout commence par la restructuration du système éducatif en mettant fin au carnage qui jadis était normalisé, à savoir le monnayage traduit par des antivaleurs comme la corruption ou encore le point sexuellement transmissible. Aujourd'hui, la réussite à l'IEC n'est devenue que question de méritocratie. Vous sentez que c'est l'excellence en fait. Donc ce sont là les auditoires, l'acquisition des auditoires modernes, la sonorisation dans des salles. La qualité de l'enseignement a changé, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui enseigne, c'est des praticiens, c'est des technocrates qui enseignent à l'IEC. Pour renforcer les personnels enseignants, le comité de gestion s'est battu pour organiser les troisième cycles. C'est parmi les innovations. Au corps académique et scientifique, le professeur Armand Kabange a mis à sa disposition de moyens nécessaires afin de garantir une amélioration de la qualité de l'enseignement. Il a eu comme politique améliorer les conditions de travail pour permettre à ce que
même la qualité de l'enseignement puisse être à la hauteur. Nous ne recevons rien de l'extérieur. Déjà, vous comprenez que c'est sur ces peu-là qu'on doit payer des agents, que sur ces peu-là qu'on doit construire. Au sujet justement des infrastructures, les comités de gestion Armand Kabongui a réussi là où les autres ont accusé de lacunes. Partant de deux auditoires non achevés qu'il a trouvés, le directeur général de l'ISC les a achevés et en a construit plusieurs autres. Je viens d'arriver, je vois qu'il y a une toute dès l'entrée là-bas, c'est la référence, je suis entré effectivement. J'ai fait un petit tour et j'ai constaté que les 8 hectares sont clôturés et c'est une métamorphose complète. En l'espace de quelques années, plus de 10 auditoires modernes, spacieux et aérés, ayant chacun une capacité d'accueil d'au moins 2500 étudiants, ont été construits. À côté de cela s'ajoute la salle informatique avec machines, le laboratoire pour pratique d'étudiants, la bibliothèque, le restaurant, la cafétéria et tant d'autres. Toutes ces réalisations ont valu au DG Armand Kabongui les surnoms de bulldozer. Sur le plan de la coopération, il est à relever de nombreux partenariats avec les universités d'Europe et d'Amérique en vue d'obtenir de bourses aux étudiants et enseignants. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, tout en se laissant guider par les instructions du ministre de l'ESU Mwindo Nzangi, Armand Kabongui n'a pas encore fini de surprendre par ses réalisations. De personnages pareils méritent reconnaissance et même une palme d'or de la République.